En République démocratique du Congo, RDC, l'opposition a appelé ses partisans à manifester mardi pour réclamer le départ du président Joseph Kabila. La manifestation de ce mardi est maintenue, a déclaré Augustin Kabuya, porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti historique de l'opposition congolaise. Cette marche a pour objectif d'exiger la tenue des élections d'ici la fin de cette année conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, a-t-il ajouté. Selon cet accord entre pouvoir et opposition conclu sous l'égide de l'épiscopat le 31 décembre 2016, des élections devaient avoir lieu au plus tard en décembre 2017. Cette annonce survient au moment où le pouvoir a pris une mesure d'interdiction des rassemblements. Les autorités congolaises ont publié le 5 novembre dernier un calendrier fixant au 23 décembre 2018 la tenue de plusieurs scrutins dont la présidentielle. L'opposition exige une transition sans Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016.